trois premières balles successivement. Trois jeux partout dans le quatrième set. Le compte au service. Zéro, 15. Bien servi là encore de la part d'Henri de Courant qui continuait à jouer 30-15. Avec un grand pourcentage de réussite en première balle de service et qui depuis le début de la rencontre, hormis 4 ou 5 fois, a servi systématiquement le point faible de son adversaire, le revers. Et c'est une balle de break en faveur de Noah cette fois-ci. Avantage, Noah. Il rate un peu plus, là, Henri, en première volée. Et oui, c'est le septième jeu de la quatrième manche. Un jeu très important. Yannick retourne avec un peu plus de constance, ce qui oblige Henri à volleyer plus souvent. Petite faute tactique car depuis le début du match, sur tous les points importants, il a servi le revers de Yannick Noah en première balle. Il est parvenu de la sorte à maintenir son avance et cette fois-ci, vous l'avez vu, il a servi sur le coup droit, la balle est sortie. Et Yannick Noah a profité de cette erreur pour faire pour la première fois de la partie le break. Oui, c'est la première fois que Yannick Noah ravit le service d'Henri Lecomte. Il mène 4 jeux à 3 dans cette quatrième manche. Ce sera un retour invraisemblable de situation si Yannick Noah parvenait à remporter cette rencontre, car cette balle de break à 5-4 dans la troisième manche en faveur d'Henri Lecomte sur le service de Yannick, elle était immanquable. Et pourtant, Henri Lecomte, et c'est là que nous l'avons vu pour la première fois, un petit peu fébrile, à quoi tient une rencontre de tennis. Cela dit, cette quatrième manche n'est pas jouée. 4-3 pour Noah, il est au service. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Superbe retour d'Henri. 0-15.
15 arcs. Quelle vitesse dans ce coup droit. Trente arcs. Pourcentage de première balle de Yannick Noah augmente considérablement. 4 réussis dans ce jeu. Et un peu à retardement, Henri Lecomte est monté. Il a bien fait car il a obligé Yannick Noah à jouer court sur cette remise et immanquablement le filet. 2 points qui donne à Yannick Noah une énergie supplémentaire, celle dont il a besoin pour revenir au score sur son jeune adversaire. Noah. Vous voyez avec quelle arme il s'est jeté sur cette balle, pourtant fort bien faite d'Henri Lecomte. Dans cette quatrième manche, Noah. Vous reconnaissez dans les tribunes Philippe Dintran, capitaine du 15 de France. Quatrième manche. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Très bien dans ce jeu, Henri Lecomte. Car Yannick commence à retourner quasi systématiquement dans le cours.
cette volée de revers, c'est un modèle du genre. Il y avait dans le temps Tony Roach, un joueur australien qui a gagné ici Roland-Garros, qui avait le même genre de volée de revers, une perfection technique. Vous voyez Patrice Dominguez faire des signes à Henri Lecomte, lui parler. Gain de la quatrième manche. S'il vous plaît. Tariq Benabiles, auteur d'une fantastique partie hier face à Connors. Deux sets partout entre les deux joueurs après 2h53 de jeu. Le score 6-3, 6-4 pour Lecomte, 7-6, 6-4 pour Noah. Décidément, Hervé, Yannick est l'homme des situations difficiles car à chaque match maintenant, il nous habitue à ce genre de renversement. Jean-Paul, oui. Un jeu à zéro pour Henri Lecomte qui a remporté son service. Noah, actuellement sert, il mène 30-0. Changement de balle, changement de balle. Jeu, Noah, un jeu partout, dernière manche, changement de balle. Se sont creusés. Service, Lecomte, balle neuve.
15-0. Trente-quinze. Pratiquement plus un murmure sur le central. 30 partout. Quarante-trente. Les jambes d'Henri Lecomte semblent être un peu plus lourdes. C'est assez normal, puisque les deux joueurs jouent depuis plus de 3 heures. 2 jeux à 1 en faveur d'Henri Lecomte dans cette cinquième manche. Partie crispante. Oui, bien avancé sur cette balle de service un peu courte. 0-30. Oh là 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 là. Fantastique retour et un passing étonnant là encore d'Henri Lecomte. 3 balles de break en sa faveur. 0-40. Je vous en prie. Je vous en prie. 15-40.
30-40. Premier break est réussi par Henri Lecomte dans cette cinquième manche. Yannick Noah ayant chuté lourdement sur ce passing shot de coup droit. Et c'est justice pour Henri Lecomte qui a pris de grands risques sur ce jeu. Il a mené 40-0 sur le service de Yannick. Celui-ci est revenu jeu. À 30-40. Lecomte. 3 jeux à 1, dernière manche. C'est très très bien servi, il a mis beaucoup d'effet sur cette deuxième balle excessivement longue. Et jeu blanc pour Henri Lecomte qui sur sa lancée du jeu précédent et du break réussi. Serre en pleine confiance, il mène 4 jeux à 1. Et il possède maintenant une bonne chance, lui, de se qualifier, car ce sera difficile pour Noah de revenir. Absolument. Raison de plus de dire qu'Henri Lecomte est en pleine possession de ses moyens, car quand on se fait remonter de 2-7 à rien avec une balle de break au troisième set pour servir pour le match et se conduire comme il se conduit au cinquième set, c'est tout à son honneur. Tourne comme au cours des deux premiers sets, Henri Lecomte. 0-15. Oh, c'est exceptionnel, la qualité du jeu de Lecomte actuellement. Formidable. Et il paraît beaucoup plus frais que Yannick Noah. Ah oui, il a eu un petit moment, un petit passage à vide. Et depuis ce break effectué sur le jeu de 2 à 3-1, Henri a retrouvé les ailes. Oh là là ! Personne.
Personne n'aurait cru qu'Henri allait rattraper cette balle, à commencer par Yannick Noah. Et non seulement il l'a rattrapé, mais il a fait un passing shot gagnant, superbe. Ah, c'est exceptionnel. Regardez comme il part loin. Quelle qualité. 0-40. Et 0-40 sur le service de Yannick Noah. Oh là 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 là, imparable. C'est fantastique. Vraiment, il n'y a rien à faire contre ce joueur-là quand il joue avec cette qualité. Très grand tennis. Et Henri Lecomte se conduit en champion, en très grand champion actuellement, car le cinquième set s'annonçait très difficile pour lui. Il le maîtrise totalement et joue tout aussi bien qu'il l'a fait durant les deux premiers sets et une bonne partie du troisième. Il sert maintenant pour la victoire et pour la qualification en quart de finale. Le jeune loup en train de terrasser le vieux lion. Pas bien vieux Yannick, mais enfin il y a quand même 4 ans de différence d'âge. 3, pardon. Quinza. Partout à 2 points du match, Henri Lecomte. Deux balles. Quarante. Partout. Et balle de match pour Henri Lecomte. Avantage Lecomte, s'il vous plaît. Eh bien, bravo Henri. Bravo Henri Lecomte. 3h17 de jeu.
Le score 6-3, 6-4, 6-7, 4-6, 6-1 pour Henri Lecomte, qui se qualifie donc pour les quarts de finale de Roland-Garros. Il jouera face à Mats Wilander. Belle victoire de la part du plus jeune des deux Français. Jean-Paul Lhomme. Oui. On a assisté vraiment à un très très beau championnat de France aujourd'hui. Et je vous propose de garder l'antenne maintenant. Nous allons travailler avec le chronomètre jusqu'à 18h50, ce qui nous permettra quand même de recueillir les impressions et de Lecomte et de Noah. Je suppose qu'ils vont rejoindre Alain Toler dans le studio. Et à 18h50, il sera temps, je pense, de passer l'antenne à Jean Lanzy avec Philippe Châtrier pour le 7 sur 7. Alors, à vous, l'antenne, Lecomte, Noah, vraisemblablement dans le studio, avec vos questions et celles d'Alain.